Les titres, on va prendre à présent la direction de la République démocratique du Congo. L'actualité politique est très riche là-bas également. Il a longtemps été l'un des plus proches collaborateurs du président Kabila, le puissant gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, patron de l'équipe de football, le tout-puissant Mazembe, annonce ce soir sa démission du parti au pouvoir. Annonce faite sur son compte Twitter. Et Moïse Katumbi est en direct avec nous en ligne de Lubumbashi. Il nous accorde sa première interview. Bonsoir Moïse Katumbi. Bonsoir. Alors la principale raison de votre démission, vous le dites dans votre communiqué, c'est que tout semble mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution. Est-ce qu'en clair, vous soupçonnez le président Kabila de vouloir changer la Constitution pour briguer un nouveau mandat? Pas du tout. Que voulez-vous dire quand vous parlez de modifier la Constitution? Je disais ceci, pas du tout, si vous m'entendez. Et si j'ai démissionné, c'est pour me ranger aux côtés des démocrates et lutter pour renforcer notre jeune démocratie dans notre pays. Et quand vous dites tout semble mis en œuvre pour ne pas respecter la Constitution, à quoi faites-vous allusion? Au retard qu'il y a dans le cycle électoral? Il y a le retard aussi, il y a aussi la nomination des commissaires spéciaux. Ce n'est pas constitutionnel. Là, on est en train d'énerver la Constitution. En tant que démocrate, je me suis dit, je vais essayer de démissionner parce que c'est impossible de continuer comme ça. Et nous sommes en train nous-mêmes de tuer notre propre gène démocratique. Si j'étais entré dans le parti, c'était pour sauvegarder la démocratie dans notre pays. Et est-ce que pour sauvegarder cette démocratie, Moïse Katumbi, vous allez vous-même vous porter candidat à la présidentielle? Pour le moment, je suis en train de prendre un repos. Je venais de démissionner du PPRD aujourd'hui. Je vais réfléchir et si j'ai autre chose à faire, pour le moment, c'est seulement lutter pour que la démocratie règne dans notre pays, pour que le pays puisse aller de l'avant. Et quand vous appelez un large mouvement autour des valeurs démocratiques et républicaines, est-ce que vous voulez l'élargir non seulement à l'ancienne majorité présidentielle, mais aussi à l'opposition? Vous tendez la main à l'opposition? Vous savez, j'ai fait appel à tout le monde parce que c'est une jeune démocratie. On n'a pas droit à l'erreur, sinon le pays va sombrer. Et ce qui était important pour moi, c'est l'opposition, la majorité présidentielle, c'est toutes les forces vives, même la société civile. C'est très important pour nous parce qu'une jeune démocratie, ça fait 10 ans, notre démocratie est très jeune. Nous devons lutter pour que nous ne puissions pas rester. Nous devons reconstruire notre pays ensemble. Merci beaucoup Moïse Katumbi d'avoir été en direct avec nous dans le Journal de l'Afrique. Et on va...